Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est leur numéro. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo assez spéciale car il s'agit d'un nouveau type de série que j'ai mise en place tout seul. Donc, c'est une série en fait où je vais construire avec vous une map aventure. Donc, une map aventure, j'ai déjà ce que je veux faire en tête, le thème que je veux faire. Donc, j'ai déjà tout et j'ai envie de faire un petit peu la map avec vous et vous expliquer un petit peu tout ce qui va se passer au long de. Enfin, au long de cette aventure en fait. Enfin, de cette petite série. Donc, on va passer tout de suite. Normal, voilà. Donc là c'est le spawn ici. Donc voilà, je suis en map super flat et j'ai envie de construire une grande ville. Donc chaque bâtiment, j'en ferai un épisode. Donc la mairie, là on va commencer par la mairie. Et en fait en gros je voudrais faire un personnage en fait qui est un policier. Et il doit. Il a une maison, il a une vie, tout ça, une vie normale, et un jour il y a un braquage de banque. Enfin, après je vais trouver plusieurs choses, mais là pour l'instant j'ai envie de faire la ville avec vous. Donc on va faire un petit peu dans la ville moderne. Donc on va faire. Une mairie, j'ai un petit peu en tête ce que je pourrais faire comme sorte de mairie en quartz, bien évidemment. Donc là, vu que là c'est le spawn, même si on je fais un spawn point, là c'est juste pour me dire si c'est le spawn, on va la faire ici la mairie. On va faire une mairie là, comme ça. La faire assez grosse, ça va être une mairie belle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord, ok. 8, donc voilà, je vais faire une petite ellipse et je vous reprends quand j'aurai fini de faire les délimitations de la mairie. A tout de suite. Eh bien, re tout le monde. Donc, je vais d'abord vous montrer la première façade que je viens tout juste de finir. Donc voilà. Voilà ce que ça peut rendre comme première façade de la mairie, donc sur ce que tout le monde verra. Bien sûr, après, là, je ferai ça ici. Ça fera un grand bâtiment. Et je vais vous montrer un petit peu la première façade. Donc voilà ce que ça rend. Ça rend pas trop mal. On a les grands piliers comme ça, ici ça sera l'entrée, à l'intérieur il y aura des petits bâtiments, il y aura un petit peu de tout. Là c'est les vitres que j'ai faites, j'ai fait un petit panel, un petit relief pas très moche. Ça. En noir ça peut rendre bien. Voilà. Voilà, ça rend pas très bien. Ça rend pas très bien. Wow! 1, 2, 3. Ça rend pas mal. Voilà, ça je voulais dire depuis le début. Ça rend pas mal donc. Voilà. Bon, je vais continuer. Je vous retrouve quand j'ai fini le grand carré. Donc tout autour, je mettrai les vitres. Je n'aurai pas encore fait l'intérieur. Et voilà. Bon, on se retrouve tout de suite, les gens. Ah oui, aussi ici, je vous ai pas montré. Mais là, j'ai fait ça pour. Parce qu'il y aura bien sûr le bureau du maire qui sera juste là. Et derrière lui, il y aura un grand balcon qui donnera sur toute la ville. On verra les grands bâtiments, le truc de police, tout ça. Il y aura. Après, c'est pas encore fini, c'est pour ça. Cette map-là sortira dans très longtemps, j'imagine. Je pense même au mois de décembre que sortira cette map. Et voilà, ça peut être pas mal. Bah, tout de suite, les gens. Ciao, tout de suite. Eh bien, re tout le monde pour la troisième fois. On se retrouve. Donc, je viens juste de finir. Enfin, pour vous, je viens juste de vous quitter. Je viens juste de revenir. Mais ça fait 1 heure là, que je suis en train de finir ce que j'ai en train de faire. Donc, voilà. J'ai fait le gros cube. J'ai pas encore fait l'intérieur. Pour l'intérieur, je vais commencer un petit peu. Puis on finira tous ensemble. Donc, voilà ce que ça rend un petit peu sur les côtés. J'ai eu un message d'Azenox. Très sympa. En plein vidéo, c'est génial. Donc voilà ce que ça rend un petit peu tout autour, les vitres, un thème que j'aime bien. Donc voilà, j'ai fait ça comme ça. J'aurais préféré qu'il y ait des traits comme ça, comme ça, comme ça, mais bon, c'est pas trop grave. Ça rend vraiment pas mal, même l'entrée, j'aime bien. Et puis voilà, on fera l'intérieur. Aussi, j'ai mis des torches juste pour histoire d'éclairer, mais bien sûr, ils vont disparaître. Et à partir de là, ça sera un étage. Et ici aussi, donc il faudra que je fasse le sol là, comme ça. Ici. Voilà, mais ça va être très long. C'est très long, surtout que j'ai pas mis un mode pour l'edit. C'est pas, il existe en plugin, je sais. Il existe en mode aussi. Donc j'essaierai de l'installer un jour, si j'ai le time. Mais pour l'instant, on va laisser ça comme ça. C'est très bien. Je vais commencer l'intérieur. Donc je vais faire, comme je vous ai dit, ici, en bas et là, au-dessus. Et puis voilà. Ouais, et puis voilà, et puis voilà. Et puis on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Eh bien, tout le monde, c'est bon. J'ai terminé un petit peu l'intérieur et j'ai fini l'extérieur, comme vous avez pu voir juste avant. On va se diriger vers l'intérieur tout de suite. Voilà comment ça rend d'ici. Donc, ça rend pas mal. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Voilà. Donc, ici, on a le bureau du maire.
J'ai pas fait à l'intérieur des salles, j'ai envie de le faire avec vous. Et ici, on aura la grande vue, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur toute la ville. Où le player, enfin, où le joueur qui va jouer avec cette map aventure va pouvoir s'amuser de dingue. Surtout au niveau du scénario, je vais un petit peu changer. Enfin, je suis en train de réfléchir un petit peu tout en construisant, ça m'aide à réfléchir. Et j'essaierai de trouver des choses. Faut aussi que j'en parle avec Azenox parce que moi, au niveau point de bloc, voilà. Donc, si Azenox peut m'aider à faire un petit peu le scénario par rapport à ce que lui sait faire au coin de bloc, il sait faire vraiment beaucoup de choses, donc c'est pour ça. On verra bien, on en parlera tous les deux, puis comme ça je vous fais une petite map, une petite ville, puis comme ça vous allez découvrir le scénario bien sûr à la fin dès qu'on en aura réfléchi. Donc on va d'abord faire cette salle là, on va faire un truc comme ça peut être plus beau. Cette salle là qui va être la salle de bah, on va faire une salle avec un bureau ou salle de réunion. On va faire une salle de réunion. Ah non, les salles de réunion. En fait, je voudrais faire cette salle là-bas, au-dessus, une salle de réunion. Là, on va faire deux bureaux. Un bureau là, un bureau de l'autre côté là-bas. Et salle de réunion là-bas, une salle de réunion là, et le bureau du maire. On va faire ça. On va faire ça, c'est parfait. On va mettre des chaises. Que rien de plus simple. Ah oui, par contre, oui, je veux faire des portes. Ah ouais, j'ai aussi changé de feature pack, le Swartex, qui est excellent pour ça. Ah, le problème, je voudrais bien mettre celle-là, mais le problème c'est que ça fait vachement prison ça. Ou soit je peux le laisser comme ça. Je peux le laisser comme ça, ou je peux même faire des portes coulissantes. Dire je mets ça, et puis... Une fois, il avait fait un truc quand on s'approchait, porte s'ouvrait. Ça peut être cool. On verra. On verra bien. On va faire le bureau. Le bureau. On va prendre une chaise en bois avec une porte en oak. Bon. Bien sûr, c'est pair. Sinon, ce serait beaucoup trop simple. Ici, c'est pair. 7. Chose comme ça, on va dire que c'est bien. Maintenant, on peut utiliser des pistons pour faire le bureau, donc un grand bureau, un hein, bureau du maire, enfin pas bureau du maire, comme disait bureau du maire, on se trouve pas ici. Voilà, on peut faire un bureau comme ça, c'est pas trop mal. Avec ça, les tables, c'est pas moche, j'aime bien. Il a quitté. Ah, il a quitté, ouais. Après, il y a des meubles dans Minecraft. Il n'y a pas énormément de meubles. On peut mettre des petites plantes. Donc, un bloc de terre. Avec des petites plantes. Voilà. Et bien sûr, des wooden machin. Pour faire un truc comme ça. Qui rend pas trop mal. Voilà. Bibliothèque aussi. Bibliothèque, ils sont bien. Bon, les coffres, voilà. Voilà les coffres qui sont pas mal. Les têtes, ah, les bannières aussi. Il faudra que je fasse des choses avec, et même des peintures pour en dire de faire un petit peu plus de ch. Wow, éléphant. On va regarder un petit peu tout ce qu'il y a comme nouvelle peinture dans ce texture pack. Oh, il y a de très belles choses. Il y a vraiment de très belles choses. Je suis content. Quoi, on va laisser ça. Ça rend pas mal déjà. Et est-ce que je vais enfin les trouver, ces bibliothèques de malheur? Ici. Ouais, excellent. J'avais pensé à les mettre ici, une bibliothèque. Genre une bibliothèque. M'en douter. Voilà, ça c'est bien. Après, je vais pas non plus. Ça va être une salle juste histoire de décorer. Hein. Ça va pas être une salle
Ou le player va devoir y aller. Aussi, on va mettre des chaises. Une là. Pas mettre la même chose. Mettre des chaises en pierre. Voilà, comme ça. Parfait. On va dire que cette salle-là est faite. Voilà, on va pas non plus. J'ai pas envie non plus de faire de la décoration de fou, de ouf. Donc on va faire un petit peu. Pas la même chose, mais un petit peu dans le même style. Donc avec ça en piston. Voilà, avec un petit peu les mêmes choses, mais placées différemment. Voilà. Allez, trouve là. Ok, ça rend pas mal. Ça rend vraiment pas mal. Ça avec de la terre. Et bien sûr, bah voilà, on va dire, on va pas mettre de peinture, ça va faire trop lourd après. Ça c'est parfait. C'est parfait. Après, ce qu'on peut faire, c'est même une petite fontaine. Un petit truc d'eau. Ouais, on verra ça. On verra ça, mais là, ça rend bien. On va dire que voilà, ça c'est les petits bureaux. De n'importe qui, hein. Des bureaux tout à fait normal. Oh, on va faire les salles de réunion. Il y a une première salle de réunion. Voilà pourquoi je les ai choisis, parce qu'ils sont assez grands. Et on va prendre une table en bois. Après, j'aurais bien voulu mettre des mods, mais ce qui est un petit peu galère, c'est que ça va être une map aventure. Et le problème avec les maps aventure, c'est que tout le monde ne peut pas installer les mods pour y jouer. Après, il y a des, je crois qu'on peut mettre des mods dans une map et tout, mais bon, ça me paraît vachement trop dur pour moi. Donc on va faire sans mod. Minecraft nous donne une accessibilité assez importante, si je peux dire. Donc on peut, je vais essayer de faire des choses avec. Pas vraiment un mec de construction, surtout histoire de rendre quelque chose de pas très moche. Ça fait hop et une spruce. Comment elle est, celle de spruce? Ah ouais, d'accord, ça c'est carrément la chaise de la truc de Moyen Âge, quoi. C'est pas grave, on va faire ça. Ça 3 on va faire ça, on va faire tiens, il faut qu'il y ait beaucoup de monde. Ah, c'est bon. C'est quand en train de râler. Mais non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Voilà, c'est pas moche. On va pas mettre de gâteau. Je sais pas quoi mettre. Mais bon, on va pas mettre de gâteau. Ça va pas aller du tout avec le thème. Ce qu'on peut mettre, par contre, c'est la peinture. Je sais pas pourquoi je cherche ici, mais la peinture là. Hop. Non, je voudrais l'éléphant. Je vais le laisser. Ah, il est très beau celui-là. Voilà. Après, pas besoin d'autant de détails, c'est parfait. Ça, c'est bien. On va faire un petit peu la même chose ici. Une table qui rendrait comme ça. C'est pas une map qui va marcher sous construction. Qui va marcher sous construction. Qui va être basé sur la construction, c'est une map qui va être basée sur le scénario. Donc je me fais pas trop de soucis au niveau de la construction, surtout le scénario qui compte. Voilà,
ça va pas être des salles importantes, c'est juste pour dire d'avoir de la déco si jamais le joueur va un petit peu partout. Voilà, ça c'est parfait. Bien voilà. Après, ce qu'on peut faire, c'est même mettre avec case, on verra, pour mettre des PNJ en forme de zombies. Après, pour tester sur pack, c'est lui qui va gérer. J'espère. Bon, ici, je sais pas du tout quoi faire, donc il pourra venir comme ça, mais il pourra pas sauter au-dessus. Donc là, ça va être fermé carrément, donc il pourra pas aller comme ça ici. Mais bon, voilà, ça va être juste une histoire de faire un genre de couloir. On va passer au bureau du directeur qui sera un petit. Je vais un petit peu plus prendre de temps sur ce bureau parce que c'est là que tout va se passer. Donc, comme tous les bureaux du directeur, un grand. Mais le problème, voilà. Donc, on va faire. Là c'est pas trop mal, surtout que on va mettre une double chaise donc en wack, une double chaise, une comme ça, une comme ça, et avec je vais même faire une chaise comme ça. Ah, ça rend pas mal. Bonjour Monsieur Smith, je sais pas pourquoi je dis Monsieur Smith. Avec ça et ça là, avec une spouse. Voilà. Non, on va pas mettre ça. On va mettre ça. Voilà, et là, ici, il y aura la vue. Ça va être pas trop mal. On va mettre plus de peinture dans cette salle. Et là, vu qu'on a un sol de 1 de 1 de large, je pourrais pas faire ce que je voulais. C'est-à-dire mettre. Voilà, je suis en train de chercher plusieurs choses. Je pourrais pas mettre une fontaine. C'est un sol de 1. Et avec un petit peu de chance. Non, c'est un double. Là aussi, c'est un double. J'aurais pu même mettre un ordinateur. Après, on mettra peut-être des choses importantes dans les chests, histoire de, voilà, de varier un petit peu. Bah voilà, ça rend pas trop mal pour une première. Pour la mairie, moi j'aime bien, sérieusement. Je pense qu'on va en rester là pour la mairie. Et on va passer à autre chose dans un prochain épisode. Je sais pas de combien de temps sera l'épisode, il y aura plusieurs coupures. Et voilà, j'aime bien, j'aime vraiment, c'est vachement cool. On a une ouverture par le dessus et tout. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut demander mieux? Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Après, on pourra mettre des gens dans la mairie, il y aura des gens dans la rue, il y aura des gens un petit peu partout. Et voilà. Voilà. Voilà, genre, je vous fais un bisou, je vous dis à la prochaine pour notre nouvelle série Minecraft City. Bah, qui est-ce tout le monde? Puis voilà, c'est fini pour la mairie. Ciao tout le monde.